Bonjour chers abonnés, aujourd'hui je vais continuer donc ma série sur la formation et puis donc par rapport à la M57. Alors aujourd'hui je vais faire un drôle d'attelage puisque je vais mélanger des formateurs qui seraient issus de l'administration de la DGFiP, donc de la Direction Générale des Finances Publiques, et notamment les consultants extérieurs. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de mélanger ces deux types de formateurs, mais bon, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo qui va quand même me rappeler aussi que ces gens-là aussi, ben, ils ont un rôle à jouer. Alors, premier pôle d'intérêt, c'est de se poser la question, quelles sont leurs finalités finalement, quel est leur but? Alors, si vous prenez les gens de la DGFiP, il faut être bien au clair que ces personnes viennent de l'administration, mais une administration pas n'importe laquelle, une administration financière. Et je rappelle qu'ils sont quand même sur un créneau qui est bien particulier. Nous sommes sur des formations qui sont générées par la réglementation, des formations qui sont vraiment le fruit de la réglementation qui est rédigée par la DGFiP. Donc autant dire, nous avons affaire à de véritables professionnels. Et je dirais que leur rôle est très utile puisqu'ils permettent de faire la jonction avec une personne que nous avons au niveau local. Je veux parler bien évidemment du comptable de la collectivité. Donc ils ont ce double regard qui est vraiment intéressant. Je dirais qu'il y a quand même un problème quand même. Ces formateurs sont de l'État, certes. Et je vais enfoncer une porte ouverte, ils ne sont pas de collectivités locales. Donc il y a certaines problématiques qui, ma foi, leur seront peut-être étrangères ou nécessiteront de pouvoir, comment dire, d'être présentés en co-animation avec des personnels strictement collectivités locales. Donc je dirais que il y a un bon point, c'est leur connaissance parfaite de la réglementation et un inconvénient, donc cette nécessité d'adapter le message donc aux collectivités locales. Le conseiller, bon, ben, le conseiller, je dirais le conseil consultant, c'est une autre, comment dire, capacité d'intervenir auprès des collectivités locales, c'est que certes, ils connaissent la réglementation, mais cette connaissance de la réglementation peut comment dire, se faire dans le cadre soit d'une préfiguration comme le fait le comptable, certes, mais ils ont cette capacité de s'adapter en définitive à l'environnement de la collectivité. Et donc bah, il y a cette capacité de passer alternativement de la fonction formation à la fonction conseil. Et donc ça aussi c'est un point aussi à réfléchir si d'aventure vous faites aussi une bascule non seulement vers la M57 mais aussi vers un nouveau logiciel comptable. Donc ça nécessitera par ailleurs une nouvelle organisation dans votre collectivité. Et donc je crois que c'est un point aussi qu'il convient de bien mesurer là-dessus. Alors, ok. Nous sommes avec ces deux types d'intervenants. Pour autant, il faut quand même se poser des questions. Est-ce que nous sommes avec des professionnels? La question est répondue immédiatement oui. Des professionnels à deux titres différents, bien sûr. Pour autant, si nous adressons à des professionnels, il y a deux besoin que nous allons devoir remplir très rapidement, c'est un besoin de normalisation. Donc en clair, toutes les actions qui vont être comment dire, effectuées à l'avenir par les personnels, soit de la direction des finances, soit par les personnels externes à la direction des finances, leurs actions devront être normalisées. Et le but de cette formation qui sera dispensé par ces deux types de personnel viseront aussi on va dire, faciliter cette normalisation des actions. Je dirais que vous allez le retrouver notamment avec le premier type de formateurs, je pense notamment à la DGFiP, qui sont à la source de la réglementation. Pour autant, si on connaît la réglementation,
il va falloir pouvoir formaliser dans un véritable règlement budgétaire et financier. Alors, je pense notamment pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, il va y avoir un besoin de pouvoir rédiger un véritable cahier de procédures qui soit adapté à votre collectivité. Et là, je dirais que le conseil est quand même mieux placé que une personne issue de la DGFiP. Donc c'est une réflexion à avoir. Alors, une réflexion à avoir, certes, avec cette personne, je pense notamment le consultant, mais pour autant un travail qui est commun, puisque bien évidemment les acteurs de la collectivité devront être associés. Et donc là aussi, c'est une réflexion à avoir, comment on va y arriver. Donc le facilitateur, la personne qui sera la personne lien, sera plus le consultant à défaut de pouvoir donc se positionner autrement. Alors, l'articulation, ben, elle est très claire. Il va falloir aussi se poser la question de l'articulation dans le temps. Est-ce qu'on le fait en amont, ces informations, ces formations, ou est-ce qu'on le fait pendant? Alors, qu'est-ce qui plaide pour l'un, qu'est-ce qui plaide pour l'autre? Avant, ben, je dirais que je vous ai parlé dans le module précédent de la des formations organisées par le CNFPT. C'est vrai que en amont, il faut avoir une connaissance fine de la réglementation, et je pense que le CNFPT se pose très bien là-dessus. Avant mettre en place, je dirais, une formation avec la DGFiP, autant reconnaître, c'est pas toujours adapté, puisque ce n'est qu'au moment où on commence à entrer dans le vif du sujet que finalement des questions vraiment hyper techniques ne peuvent être résolues que là-dedans. Pendant, alors effectivement, si le CNFPT est plutôt sur l'avant, la DGFiP, mais aussi comment dire, le consultant, vont trouver leur rôle là-dedans. Donc effectivement, si vous démarrez par exemple en 2022 votre M57, je dirais que une véritable action de formation pour ces deux types de formateurs vont trouver comment dire, leur pleine mesure, je dirais non plus dans l'année, mais un an et demi avant de faire la bascule. Donc il y a vraiment tout un timing à bien réfléchir là-dessus. Un an, je dirais, c'est même trop court. Alors, enfin, les supports que peuvent vous donner comment dire, les deux formateurs. Alors, bien sûr, j'ai mis des supports, notamment PDF. Bien sûr, vous aurez ce même type de support fourni par le CNFPT. Je pense que ce n'est pas tellement ce genre de support que nous attendons. Nous attendons vraiment une adaptation à l'environnement de la collectivité. Et donc là, clairement, je dirais que la formation apportée par la DGFiP ne sera plus en concordance avec les besoins de la collectivité. Et donc, si par hasard la direction des finances n'est pas en mesure, je dirais, d'apporter une formation en interne, je dirais que le travail du consultant, ben, c'est là qu'il va trouver toute sa mesure, puisqu'effectivement, il sera en mesure d'apporter une formulation, certes, mais aussi des supports adaptés à votre environnement interne à la collectivité. Alors, c'est une réflexion à avoir assez en amont, parce qu'effectivement, il y a un véritable, on dire, emploi du temps à créer sur toute la période, en sachant que bien évidemment, vous n'avez pas que cette réforme de la M57, vous avez tout le reste à gérer, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, je verrai la semaine prochaine. Donc, tout ce qui peut être aussi organisé par la direction des finances et qui n'est pas aussi de tout repos là non plus. À bientôt!